Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la veillée hommage à Elisabeth II, ce faux pas d'un membre de la famille royale. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce vendredi 16 septembre, les membres de la famille de la royale Angleterre étaient réunis à Westminster Hall pour rendre hommage à la reine, décédée le 8 septembre dernier. Ce moment grave et solennel a permis aux quatre enfants de la monarque britannique défunte d'observer un recueillement d'une quinzaine de minutes devant le cercueil. Or, si la présence des quatre héritiers, Charles III, les princes Andrew et Édouard et la princesse Anne de la reine étaient attendus, en revanche, celle de ses arrière-petits-enfants l'était moins. En effet, Zara, la fille de la princesse Anne et du capitaine Mark Philip, et son épouse Mike Tyndall ont assisté à l'événement accompagnés de leurs enfants. Les deux fillettes vêtues de noir ont ainsi été aperçues gigotant aux côtés de leurs parents et au milieu d'une assistance en plein recueillement. En revanche, le couple du fils du couple Lucas, à peine âgé d'1 an, est quant à lui resté bien sage à la maison. Durant cette veillée, les princes Béatrice et Eugène, les filles du prince Andrew et Sarah Ferguson ont particulièrement ému le regard solennel pour rendre hommage à leur grand-mère. Depuis sa naissance, la princesse Eugénie avait une réelle complicité avec sa grand-mère et a été aperçue bouleversée et en larmes au château de Balmoral. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.